C'est le érotisme normand. Oh, érotisme normand. Il va pas y avoir grand-chose. Tout ce qui est de l'ordre de l'érotisme normand. C'est l'appel de la forêt. C'est l'appel de la forêt, pas très réel, qui, je vous le rappelle, est un démosthène de la ville de Rouen. Démosthène. Une pure tradition locale, c'est une pure tradition locale, voilà. Et donc, et là nous sommes importunés par un homme qui, que l'on ne connaît pas, mais qui est d'ailleurs sympa. J'avais trouvé un genre de petit mannequin voilà. Fils, mais il a t'inquiète pas, on trouvera. Oui, non, mais celui-là était un modèle... Et la bague de Naël Gilbert, vous l'avez retrouvée dans les encombrants? Quand je me cache, ça donne ça. Moi, je me cache dans les bois. C'est quand même incroyable. Ah, tout est incroyable. La vie est incroyable. Et en plus, c'est français. Made in France, c'est écrit derrière. Regardez, c'est pas ça. C'est quoi ça? Un biboquet pour jouer à deux. Alors, je vous mets ça? Oui. Une bêche? Ah non, personne m'a vendu ça. Hein. Non, c'est du 13e siècle. C'est la crosse de l'abbé des connards. Revenez quand vous voulez, monsieur. Hein. Non. C'était donc un mécréant qui a rigolé quand même de nos conneries, surtout de celle de Patréel, l'homme au musée des arts défécatoires. Et des muses. Et des muses. Musée des muses. Voilà. Musée des muses et de l'érotisme. Le manche n'est pas d'époque. Le manche n'est pas d'époque, donc c'est important. Quoi. C'est les 16e et demi. Merci, vous êtes aimable. Monsieur. Au revoir, bonne journée, monsieur Riel. Je tiens le décor. Je peux pas comprendre. Attends. Donc voilà l'objet du délit. Délit si on peut dire, puisque ça a été acheté. C'est bon, vous êtes mignonne. Merci. Patrel donc a volé un cajot à un commerçant. Incroyable, il vend quand même la permission. Bah mets tes fleurs dedans, imbécile. Ah ouais. Oh là là. Et c'est moi bien sûr qui suis obligé de tout porter.